tombe sur les dieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes sur un let's play. Et même si Kratos s'est emparé du trône en tant que nouveau dieu de la guerre, voilà. Il est hanté par les visions de sa famille. Ah, ça une résume donc qu'il a à ma place. Assassiné. Nous sommes. Mais la mort n'a pas eu raison de lui. Ensemble. Les sœurs du destin sur n'ont pas pu le contrôler. Le grand. Aujourd'hui. L'unique. Mort, franchise. Qui n'est autre que. Aura sa revanche. Dieu de foire. Oh là 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 là. On est parti sur un let's play qui change la donne. Hein. On n'est donc pas sur un jeu de Marvel, de Batman, de on n'est pas sur du Rainbow. Non, nous sommes sur God of War, un jeu solo une fois de plus. Alors, je vais plus clairement vous expliquer pourquoi, du comment, mais aussi l'histoire. Parce qu'en fait, là, je vous signale donc c'est le 3, la version remaster. Donc, forcément, étant donné que je n'ai pas joué au 1, enfin, vous n'avez pas vu jouer au 1 et au 2, je pense qu'il est nécessaire que je vous explique. En quoi il consiste. Alors, premièrement, parlons de pourquoi je fais ça. Je fais ça car, oui, je pourrais jouer à des jeux plus récents. Je pourrais vous faire un let's play sur Days Gone. Je pourrais vous faire un let's play sur Rage 2. Mais non, je pense que via cette chaîne, il est nécessaire qu'on partage notre passion à d'autres gens. Et en dehors des jeux Marvel, mon énième grande passion n'est autre que l'histoire et notamment la mythologie grecque que j'admire, que je ne peux qu'admirer. De par ces légendes qui sont juste incroyables, ces récits qui sont. Voilà. C'est juste quelque chose que j'admire, quoi. La mythologie grecque, c'est quelque chose. Alors, j'espère que le son ne va pas trop fort, en tout cas de la musique, bah, pour moi ça me casse les oreilles, vous imaginez pas. Mais je vais vous expliquer l'histoire. Parce que là, en fait, vous voyez des succès sur l'image qui, en fait, retrace une histoire, mais concrètement, vous ne savez pas. Alors, on va partir d'abord sur... En fait, on va partir d'abord sur une tentative de passer cette introduction, mais visiblement, je ne veux pas. Ouais, en fait, je vais voir si j'ai pas un moment pour vous expliquer ça après. Donc là, en fait, on a un récapitulatif d'un peu tout. Donc, oui, la mythologie grecque, donc en fait, je compte faire le 3 remaster, puisqu'il est sur PlayStation 4, je le rappelle. Et je comptais ensuite donc nous lancer sur en fait le 4 donc qui est sorti l'année passée et qui a été élu jeu de l'année 2018 hein, qui le mérite d'ailleurs amplement selon moi. Je suis très heureux qu'il ait reçu cette ce mérite que je lui souhaitais tout bonnement. Car j'ai eu je sais pas très envie soudainement de jouer de le refaire, je me suis dit pourquoi pas en let's play, ça peut être vachement bien. Ça c'est en train tellement de vous. Moi vous allez comprendre ce que j'explique hein, si vous voyez ça, y'a pas de soucis. J'attends juste désespérément le moment propice où vous pourrez enfin expliquer. Voilà, normalement ça. Voilà, ça se finit là. Parfait. Alors, God of War. Repartons sur la base de la mythologie. Donc faut savoir que. Dans la mythologie grecque, de base, donc l'homme n'existe pas, nous avons les titans, donc qui sont les dieux primordiaux, donc qui créent la terre tout simplement, donc qui créent en fait tout ce que nous connaissons actuellement. Donc l'univers, l'espace, tout ça, la nuit, le jour, voilà, et en fait nous avons leur chef, donc qui ne trouve que Cronos. Donc en fait Cronos c'est donc le père des titans, si vous voulez, le big boss. Et en fait une prophétie lui dit, écoute Cronos, un jour un de tes enfants va tout simplement te tuer et accéder au trône. Là, bon, le gars est pas super chaud, il se dit, bon, c'est pas grave, on va, du coup, moyenne un peu barbare, on va manger tous nos enfants. Après tout, c'est très bon pour la santé, il y a suffisamment de fer, de protéines, tout ça. Donc il mange les enfants, mais sa femme décide au final de qu'elle ne peut juste plus voir ses enfants se faire manger. Par conséquent, elle en cache un qu'elle donne à Gaïa, donc des titans de la terre, de la vie, etc., qu'elle donne à Gaïa et qu'elle élèvera. Cet enfant est d'autre que Zeus, qui donc est le premier dieu qui naît en fait, qui parvient à survivre au triste sort que ses frères ont eu le droit de goûter. Donc au fur et à mesure du temps, Zeus grandit, devient adulte et finalement veut réclamer le trône et tuer son père pour les infamies qu'il produit. Donc il fait donc la titanomania, je ne sais plus, désolé. Donc qui est en fait la guerre seulement des dieux envers les titans, Zeus va empoisonner son père de façon à ce qu'il recrache ses frères, donc il va recracher donc Hadès et Poséidon qui sont donc le dieu de la mer et de l'enfer. Et ensuite ils vont unir leurs forces pour tout simplement tuer leur père avec dans l'histoire de God of War la fameuse épée de l'Olympe.
De ce fait, il va tout simplement déchaîner la puissance de l'épée et envoyer en fait tous les titans au Tartare, donc qui est en fait le plus profond de l'enfer, pour qu'ils purgent en fait le mal qu'ils ont causé. De ça, les dieux s'ennuient et se disent pourquoi pas, créons quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous priera, qui nous idolâtera, et ils créent donc l'homme. Voilà, l'homme est là, l'homme est l'œuvre des dieux, voilà, nous avons donc tous les dieux, Hadès aux enfers, Poséidon à la mer, Apollon au soleil, bref, tous les dieux, Dieu le ciel, Zeus, pardon, le ciel, ainsi que le tonnerre, bref, c'est le dieu tout puissant. Puis nous partons vers Sparte, là où en fait, on nous annonce une nouvelle prophétie, une prophétie qui dit donc à Zeus, venant d'un oracle, que un enfant au tatouage rouge, à la marque rouge, le tuera en fait. Donc de ce fait, Zeus envoie deux de ses enfants donc, dans le fameux village. Donc il envoie donc Athéna qui est déesse de la justice, déesse des armes. Et il envoie également son fils, donc notre fils donc Arès, qui est donc dieu de la guerre, dans le but de trouver ce fameux enfant. Et il trouve donc notre ami Kratos et son frère Deimos. Donc qui en fait le frère Deimos n'est autre que la cible puisqu'il est marqué rouge. Arès décime le village et Athéna avec. Ils prennent donc son frère, le kidnappent et donnent un petit coup à Kratos, genre dégage, ce qui lui fait donc cette magnifique cicatrice que vous pouvez apercevoir sur son œil droit. Voilà, de ce fait, et bien tout simplement, Kratos va donc vivre sa vie un petit peu et va au final en fait brandir les armes pour Sparte, c'est-à-dire qu'il va devenir un gardien. Et en hommage à son frère disparu, il va se faire le même tatouage que son frère avait de naissance, donc le tatouage rouge. Donc en fait, il va servir à Sparte, donc il va se battre, devenir un général très puissant d'ailleurs. Et au final, il va se retrouver face à une armée dont Sparte aura des problèmes qui ne sont autres que les barbares. Alors face aux barbares qui donc en pleine défaite cuisante, Kratos implore Arès de lui donner la force pour pouvoir vaincre ce fameux barbare. Et il lui octroie donc une allégeance aveugle et il lui donne donc les lames du chaos auxquelles il sera lié infiniment. Donc ce sont ces deux dagues qui sont enchaînées à ses bras. Donc les deux dagues. Donc par après, en fait, Kratos va tout simplement être général, va gagner des guerres. Et un jour, malheureusement, il va s'attaquer à un village. Ce village n'est autre qu'en fait le village où il a sa femme et sa fille qu'il va tuer de sang-froid dans une folie meurtrière provoquée par Arès. Et donc Arès lui dit qu'en réalité, il fait ça car les liens amoureux et la famille ne seront plus un objectif, un pare-feu pour lui dans sa conquête, en fait, donc dans sa gloire. Et en fait, Kratos se fait donc maudire par l'oracle, si vous voulez, la prêtresse du village, et en fait lui fait porter ses cendres. Donc le blanc que vous voyez de son corps, en fait, sont des cendres de sa famille qu'il aura à vie sur son corps, en fait. Et donc il est hanté toutes les nuits par la mort de sa famille, de sa fille et de sa femme. Donc ensuite, Kratos est donc clairement décidé à se venger. Et là, il y a Athéna qui arrive, qui lui dit, écoute, tu sais quoi, je t'offre l'occasion d'aller tuer mon frère, mais il faut que tu ailles chercher la boîte de Pandore, donc qui est en fait un endroit qui est en fait issu de la légende de Pandore, donc je vous expliquerai ça peut-être plus tard, mais c'est une boîte qui renferme une puissance qui devrait absorber pour pouvoir tuer Arès. Arès entend ça, lui balance un putain de pieu, il meurt une première fois, et surtout en enfer, chance pour lui, il n'est pas vraiment mort parce qu'il arrive à s'extirper de l'enfer et il ouvre la boîte de Pandore. Après quelques épisodes, il tue finalement notre ami Arès. Et en fait, Athéna lui promit en fait de faire que ses cauchemars n'aient plus existence en fait. Mais c'était un gros baral. Mais elle lui a dit, écoute, je peux pas te donner les cauchemars, les enlever. Mais par contre, si tu veux, il y a du coup la place de dieu de la guerre qui est libre. Donc vas-y, fais ton choix. Bon là, Kratos se dit, bah pourquoi pas, hein, écoute. Donc du coup, en fait, il y va. Et il va engendrer énormément de guerres. Donc se battre pour Sparte, il va faire un sacré bordel. Un peu partout. Puis finalement, en fait, Kratos se rend compte qu'il s'ennuie profondément. Et il va en fait chercher un peu à aller vers sa famille, donc là il va en Atlantide, il voit sa mère, bref c'est un peu un bordel inintéressant, ou du moins qui n'a pas intérêt que je vous explique. En bref, il se suicide et est ramené par Gaïa qui lui dit, écoute frère, il y a moyen qu'on... Non pardon, j'ai mélangé les choses. Il se suicide, il revient encore à la vie, et en fait finalement sur ce coup là, l'épée de l'Olympe descend. Et il se dit, là je vais pouvoir venger mon frère, donc il découvre qu'en fait son frère a tout simplement été envoyé par les dieux. Donc du coup il a toujours cette haine en fait envers les dieux qui est constante. Il prend l'épée, en fait l'épée absorbe ses pouvoirs, Zeus descend, le tue. Et là il se dit, ok, là on est dans la merde. Et du coup il retombe en enfer, mais il se rencontre Gaïa, donc qui est le titan, je le rappelle, qui représente la vie, tout ça. Elle lui dit, écoute, on peut faire un truc, tu vas en enfer, tu tues telle et telle personne qui sont les liens du destin, et tu pourras remonter le temps et en fait éviter que tu ne meures en fait, pour ainsi, si tu veux, me venger. Là il dit, ok,
Donc en fait, il fait tout le tramadam dans l'enfer, il réussit à revenir avant de mourir. Il essaie de le tuer Zeus avant qu'il ne le tue, et en fait, Athéna se met devant, Zeus par Enchemet, et lui dit, écoute, en fait, tu es un demi-dieu, tu es depuis le début le fils de Zeus, mais tu ne le savais pas. Par conséquent, bah, les dieux t'ont toujours pourri la vie, où que tu ailles. Donc là, nouvelle vengeance, il en a plein le cul. Et ce que fait Kratos, il se dit, les gars, c'est le moment, c'est l'instant. Il retourne une fois de plus dans le passé pour en fait aller chercher les titans, donc durant la guerre entre les dieux et les titans, et leur dit, les gars, vous venez avec moi, on soulève l'Olympe entier, et là on est bon. Et nous voilà donc en pleine guerre, je pense avoir tout dit, hein, plus ou moins, c'est un gros résumé, je suis désolé, mais je vous conseille la vidéo de Jean-Baptiste Chaud, qui nous résume ça de façon assez comique et très drôle, je pense l'avoir conseillé la dernière fois. On va donc y aller direct, donc là en fait on va faire une guerre tout simplement contre les dieux, on y va à la bonne franquette. Donc en fait on va tout simplement essayer de désinguer les dieux parce qu'ils ont pourri la vie, on va tuer notre père. Parce que c'est un bâtard. S'achève. Voilà. Et là on y va, God of War 3 qui est un des meilleurs, le meilleur God of War je trouve. Mes frères, voilà. Nous avons été forgés par la victoire. Une victoire qui a mis fin à la grande guerre et a marqué le début du règne du mont Olympe. Né dans les profondeurs de la. Voilà, donc ça c'est Hadès. Hein. Vous avez vu à gauche. Dans la rivière des âmes, notre montagne a surgi du chaos. Et en s'élevant, la puissance des Olympiens a grandi avec elle. Nous avons créé un monde où règne la paix, un monde prospère, un monde qui vit dans l'ombre et la protection de ma montagne. Une montagne qui est devenue la mesure absolue du pouvoir et de la force. Ah. Et voilà, on va les péter les culs, les rails. Maintenant, en ce jour, cette puissance doit être testée. Kratos, le mortel, cherche à détruire le monde que j'ai forgé. Voilà des titans. Mes frères, mettons de côté les différences insignifiantes qui nous divisent depuis si longtemps. Si nous nous unissons, si nous. Ça, c'est Kronos, au fait. Moi, je nous débarrasserai de ce fléau. Mais ça, c'est Gaïa. Voilà, ça, c'est Zeus, Apollon, Hadès qui est là à droite. Ça par contre je sais pas qui c'est. Peut-être pas Apollon en fait. Ça, c'est... Ah ça c'est Apollon. J'adore Apollon. Ah ben là en fait. Ouais c'est un de mes dieux préférés. Hein. Ça ça doit être Hermès. Visiblement ça va être une tuerie. Hein. Alors faut savoir que je n'ai presque plus de souvenirs du 3, donc c'est un peu un aspect de découverte, rassurez-vous. Et ça c'est Hercule. Écrase-moi ça. Et voilà, on est directement dans le vif du sujet. Voilà, donc j'ai l'épée de l'Olympe. Ton fils est de retour. Et je viens détruire l'Olympe. On va niquer des merdes. Voilà, alors, Les titans perdront à nouveau. Du coup, est-ce qu'on a droit à un... D'accord, donc en fait on est censé... On est censé savoir se battre de base, voilà, attaque légère. Ok. Alors je suis en train de piffer ce que je fais. Enfin, je me rappelle vite fait des combos, mais sans plus, hein. On est dans le bain direct, hein, c'est... Donc là en fait on grimpe sur des titans, c'est une ascension parfaite. Et... Ah oui, ça ne déconne donc pas. Je te provoque. Ça va être posé. Non. Non. À la main. Ah oui. Ça déconne R, hein. Poséidon direct.
Ouais mec, c'est lui. Alors je vous préviens, on va faire un... Quelque chose m'agrippe. Je ne peux pas bouger. Kratos, libère-moi. T'inquiète même pas ma gueule, on va faire ça bien. Non mais ça va, 2 minutes les gars, hein, on va... Allez! Un petit contre parfait. Bon, je pense qu'on a plus. Allez, maintenant, du coup, on a... Ah, donc on peut faire des roulades, oui, hein, je sais bien. Ah, les bonnes QTE. Et donc, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas, parce que moi, je vais certainement kiffer ma grosse race, que j'adore God of War et le monde grec, donc forcément... Ah, toi, tu vas avoir une vie nulle. Voilà, au revoir. Ça a l'air quand même très passionnant de vie de titan. Hein. Oh ! Un cheval crabe ! Quelle est cette merde ? Mon dieu. Ouais, en fait, j'ai pas rendu principe pas très... Allez hop. Alors je saurais pas vous dire du coup ce que c'est comme bestiole ça, mais en tout cas il va prendre cher. Visiblement il est en train de mettre la merde. Ah oui, donc on se bat à l'envers là, ça ne veut plus rien dire. Ah oui, d'accord. En fait, j'étais en train de me dire, mais je suis complètement à l'envers là. Mais oui, je suis complètement à l'envers. Ah, c'est la panique à bord. Voilà, allez, ça dégage. T'inquiète pas, Gaïa, ça va aller. On gère très bien la situation. Ah, c'est X. Aïe! Circule. Bon. Bien essayé, mais c'est raté. Hop. Alors, savoir que ça va être des combats de boss tout le temps. Hein. Si vous connaissez pas la série God of War, je vous préviens, ça va gérer. Donc, c'est un beat them up. Donc, c'est-à-dire, tu butes et t'avances, c'est le principe. Donc, on va taper beaucoup. Je vais pas toucher là, non c'est bon. Ah, franchement il y avait de l'idée hein. Allez, on va le saucer, c'est pas grave, il a l'air d'adorer ce combo. Ah, les QTE. Je pense qu'il a un don pour tuer les gens avec style, hein, donc là ça va. On va swinguer, visiblement c'est toujours la même touche. Oh. Ah non. Franchement, même si c'est genre un cheval en eau, déjà ouais, voilà il saigne et ensuite ça m'a fait mal au cœur de lui péter sa mère genre. Ah mais c'est horrible en fait. Comme truc. Le mont Olympe, voilà, donc on va s'amuser ici, ça va être bien, ça va être génial. Un peu de calme dans ce monde de brut. Allez, on y va, après tout c'est pas comme si on était là pour défoncer tous les dieux possibles et inimaginables de la Grèce. C'est pas grave. Surtout que je me rappelle plus très bien de la vraie fin, de la foire, de comment ça donne, donc voilà. Ah, c'est Hadès ça. Tu peux attendre s'il te plaît, je joue un coffre. Ah, je pensais qu'il allait niquer moi, mais en fait il est juste descendu. Alors, les verts de la santé, le bleu de la magie, le rouge de l'expérience. Donc en fait, oui, on aura un espèce de... Est-ce que...
D'accord, donc je peux aller me faire foutre en fait, c'est voilà. Je pensais qu'on avait d'autres armes, mais en fait visiblement il va te rapprendre un peu comme au... au bord du comme au jeu du de bas. De bas. Voilà, merci, fais ça s'il te plaît. Non mais je vois quand même à quel moment dans ta tête tu dis frère, on va remonter le temps, on va prendre des titans et on va aller niquer des races. Kratos, j'y suis dans les caca, viens m'aider. T'inquiète, j'arrive ma gueule. Juste défoncer les mecs qui sont là et puis j'arriverai de ce pas. Alors je sais pas si ce sera court ou long, tendancieux, moyen, je ne sais pas. En tout cas, bon, passer une sale soirée. Dommage, je voulais lui faire un câlin, ça aurait été cool, mais c'est pas très bien. Non mais est-ce que ce... Faut que... Je suis quand même en train de me dire que ce mec improvise littéralement tout ce qu'il fait. Hein. Allez, voilà. Bon. En fait, le problème, c'est que je les vois pas quand il... Lui il est parti alors à fixer R1 pour balancer, sauter. Oui, alors d'abord j'ai vu un coffre de vie donc tu vas pas emmerder. Alors attendez, parce que est-ce qu'on peut pas faire un. Non mais genre. Genre un. Ouais. Non mais moi je veux juste. Ça va, je non mais en fait moi je voulais juste genre un... Oui. En fait je voulais juste des options pour baisser le son mais visiblement on va aller se faire foutre et on va jouer comme ça, hein. Écoute. Un livre tiens, qu'est-ce que ça donne. Sa puissance sans écale protège les entre l'Olympe et les enfers. Putain c'est trop stylé ça. J'ai du mal à comprendre et à saisir le but, hein, mais oh! Pardon, pardon! Voilà. C'est bien dommage. Bref, continuons. Ah, parce qu'en fait, eux, c'est les mecs, ils ont ils ont le moins gros intérêt de vie, tu vois. Genre, ils sont là, mais. Putain, j'avais pas vu, hein. J'ai sauté instinctivement mais j'avais rien vu du tout. Alors lui par contre vous voyez il va nous aider grandement. C'est Chronos, c'est un peu le papa du papa. Du coup c'est grand-père. Ouais voilà, c'est clairement c'est ça. Grand-papa il va démonter des... Il est tombé ou... Parce que j'ai pas bien vu en fait. Ce mec est un dangereux psychopathe quand même, hein. Genre oh putain. J'ai me demandé comment il allait se retourner mais... Ça va, je m'excuse. Je ne voulais point. Toujours un problème, gars. Bon, elle a jamais été très douée pour se battre, alors je peux lui admettre ça. Hein. C'était entièrement ridicule. Ah mais au moins on a gagné quelque chose dans notre merde. Vous voyez parfois dans l'échec on apprend beaucoup. Ou alors on gagne des trucs, ça dépend. Ah c'est... Ouais j'ai appuyé sur R1. Bon c'est pas grave Gaïa, t'inquiète pas, reste dans ta galère mais on arrive. Voilà. Voilà, excuse-moi mais on a des priorités. Ah ça, je pensais que ça améliorait ta jauge de vie, mais pas du tout en fait, ça va rien avoir. Bon aussi s'ils mettaient les portes automatiques comme dans tout endroit luxurieux un minimum, bon là tu vois il y a un truc qui va exploser parce que c'est beaucoup trop facile. Ouais ou alors un centaure ça marche aussi. Non mais expliquez-moi.
Alors faut que genre, je reprenne les mimiques du jeu hein, parce que... Surtout qu'en fait le fait que le joystick soit un... Voilà, soit un contre et pas... Enfin que le joystick soit une manœuvre de... C'est de faire un contre parfait. Ok, on va réessayer plus tard. J'ai pas compris comment j'ai fait, mais c'était très 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 stylé. Tu vas payer tes grands morts. Voilà. Allez. On descend de ces grands chevaux. Vous avez déjà vu du Revenant là quand il rentre dans. Ouais, voilà, là je lui fais l'entrée en fait. Ah mon dieu, il y a vraiment ses intestins. Je suis un monstre. Ah, toi par contre, tu vas avoir une vie de merde, voilà. Salut toi. Pauvre mec. J'aimerais bien faire voyer des gens c'est les chapitres faire ça bien mais... Oui parce que forcément ça fait un peu à la... Non j'ai pas compris à ça Uncharted avec les mouvements comme ça mais vous m'avez compris quoi. Enfin bref vous avez déjà vu... Alors attendez parce que moi j'aime bien lire. Ici repose Arès le dieu de la guerre déchu. Oh comment tu vas mec. Grosse merde là. J'ai bien pété le cul à lui. Je suppose qu'on a un certain temps pour... Voilà. Je n'en doutais même pas. Alors, bon. Au début on a que les doubles lames mais bien sûr ne vous inquiétez pas, ça va venir les autres armes. Parce qu'on a un peu un arsenal vide. Je ne savais pas que c'était un point de sauvegarde, on en apprend tous les jours, je me demandais ce que c'était. Je m'attendais à un truc stylé mais... T'inquiète. Ouais non mais t'inquiète hein. Ouais en fait t'inquiète. Oh. Écoutez monsieur, je ne suis pas intéressé par votre proposition, par contre je veux bien monter. C'est un peu le nouveau Uber, c'est un peu le Uber, le Uber du plaisir quoi. Ne t'inquiète pas Gaïa, je gère. Oh merde. Ah non c'est vraiment cruel ça. Et là, on peut... Ouais, je pensais qu'on pourrait s'expliquer, mais visiblement on peut juste se taper la gueule, ça marche très bien. Bon, je pense pas qu'on puisse parer ça, alors on va éviter. Haha. Bien essayé, jeune Babtou. Par contre, celui-là, si je l'évite pas, je suis dans la merde. Ça, je commence à comprendre la logique qu'il a. Il est en train de m'enculer hein. Surtout que ça, je ne sais pas comment l'esquiver en fait. C'est tellement une merde, c'est horrible. Ça va, je l'ai esquivé cette fois. Est-ce que tu peux me donner de la vie, s'il te plaît? Ah. C'est pas grave, on va l'achever comme ça, ça va être super. Si je rate la QTE, par contre, je suis un enculé. Genre, je trouve ça vraiment insultant quand je rate des QTE, hein. J'ai vraiment envie de me péter de là. Allez, t'inquiète pas, ça va être génial. Je suis kiné. Tu peux me dire qu'on a regagné de la vie parce qu'en fait on va pas faire le reste si on reste comme ça.
Est-ce qu'on peut lui lancer au visage? C'était totalement inutile. Voilà donc ce que j'ai à en dire. Ah, je pense que je viens de comprendre en fait. Faudra lui lancer un moment stratégique. Ça, au moins ça rafraîchit. Ah! Ah ouais, j'ai vu chaque fois qu'il y a les Zeldikar là. T'inquiète, allez. Non, la vie c'est vraiment en stratégie. C'est vraiment un enfer. Non, je n'essaie pas de faire la blague parce que... Allez, t'inquiète pas, ouvre-moi juste ton cœur. Tu vois, par contre, on va faire une très bonne impression comme ça. Là c'est parfait. Allez. Ça, c'est insérer la clé USB. Ou insérer le virus. C'est pareil. Oh putain. Bah voilà, il n'y a plus de problème maintenant. On peut grimper. C'est bon, tu vas mieux? On est posé là, là c'est bon. Regarde, on a même un... Donc en fait tu es en elle quoi, concrètement, genre c'est ta maison quoi. Et c'est quoi ça? Je vais lui péter le cœur? Ça se passe quoi ici? Oh, 29 minutes, on peut continuer un petit peu, hein, voyons. On va essayer pour tergiverser. Et là quoi, tu viens? Je suis juste un imbécile en fait. Ah, mais c'est pratique ça! C'est son cœur, oui! Ah oui, c'est pas normal le truc qui transperce le bas en fait, d'accord. Enfin je pense pas. Chacun son truc hein, si c'est normal pour elle. Parce que. Non mais parce que bon. Non je sais pas. On va se laisser là pour le premier épisode. En tout cas, c'est un vrai plaisir de jouer avec vous. Je suis tout emballé. On va essayer d'être meilleur quand même pour les prochaines. Ça a été un peu long l'introduction, mais j'ai vraiment fait ça à l'arrache. J'ai résumé au mieux ce que je pouvais. Bon, il y a des éléments que j'ai pas dit, hein, mais voilà, en fait, on s'en fout. Hein, mais... Voilà, on va taper du dieu, tout ce que vous avez. Tiens, non, c'est fou, il y a un background assez important à savoir un peu sur la mythologie, de voir qui est qui. Mais normalement, je vous tiens, voilà. Des bisous, je pense que je vais tourner directement l'épisode 2 là où on est. Voilà. Je vous aime bien, on se retrouve, voilà, j'espère que je vous ai touché dans le cœur. Et voilà, mon cœur va pour vous et le sien aussi. Yeah.